Le vieillissement progressif de la population du pays exige un effort accru de l'État. Et c'est un défi de traiter une personne âgée en Colombie. Nous devons voir l'importance des personnes âgées dans notre société. Selon le Département national des statistiques, en Colombie, environ 6 millions de personnes ont plus de 60 ans. En 2050, il y aura 124 personnes âgées pour 100 adolescents. Par exemple, dans les transports publics à Cali, l'association Metro Cali a avantage pour les personnes âgées. Dans chaque bus, il y a environ 8 chaises pour eux. Famille et personnes proches, seniors, personnels professionnels qui fournissent le service sont les principaux responsables des mauvais traitements et des abus aux personnes âgées. Pour ces raisons, sont internés dans les centres de protection sociale. Parce qu'une étude réalisée par la surintendance a découvert que dans les 55 centres sociaux qui opèrent à Bogota, 63,6% n'ont pas de permis d'exploitation et 30 ont des mauvaises conditions d'hygiène, 28 une nutrition inadéquate et 24 une mauvaise manipulation des aliments. Si on parle du vieillissement en Colombie, on trouve beaucoup d'inconvénients. L'un des inconvénients sont les personnes qui sont exposées dans la rue. Ils sont dans mauvaises conditions de vie. Ils n'ont pas une maison ou un lit pour passer la nuit. Une triste vie selon des chiffres du ministre de la Santé. 45% des vieillards manquent une sécurité sociale. 41% vivent des conditions de misère, des arts marginales. Des centres urbains, 42% n'ont pas de revenus. Et 39% sont des employés de maison.